God. Make me slim. Yes. Yeah. Transform it from white screen to. It's possible. No. Salut à tous, bienvenue au SMC 2017. Je vous avais dit l'année dernière, pour ceux qui ont vu le reportage, c'était de la folie. Eh bien, je crois que je me suis trompé, c'est cette année où c'est de la folie. Car beaucoup ont entendu parler ou vu le reportage de l'année dernière et sont venus cette année en plus. Le SMC a donc grossi en figurines. Pour tout ça, pour vous dire qu'il avait environ 1200 figurines déjà de préinscrites vendredi soir, sachant qu'il y en a qui sont venus ensuite. J'ai pas encore les chiffres. Tout ce que je sais, c'est que les allées ont été poussées, les murs ont été... les murs, c'est impossible de faire un reportage, mais c'est pas du direct, mais on va pas couper ça au montage. Donc je vous disais que les murs ont été poussés, ils ont encore agrandi, ils ont déplacé les zones. Et donc du coup, on se retrouve avec encore plus, mais je dis bien encore plus, et encore plus de tout, de commerçants, de figurines, de maquettes, de tout et surtout d'exposants. Donc pour faire son marché ici, c'est pas compliqué. Je vous conseille de venir au fur et à mesure des années, de faire un petit tour. Et moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous emmener un petit peu visiter les halls pour que vous ayez des marques la prochaine fois où vous arrivez. Donc je vous l'ai dit, c'est de la folie. Donc le prochain mondial, à mon avis, ça va être totalement, totalement fou. Et donc je vous invite à me suivre de nouveau avec la caméra de Figurines TV. Bien, vous le voyez, difficile de vous mentir, avec le parking, la salle de squash, un plan comme ça, des allées interminables, de quoi se perdre dans l'autre ligne. Eh bien, vous l'aurez compris, vous avez de quoi vous reposer, vous avez des grandes salles, des restaurants, du squash, une salle de sport, une piscine, enfin tout pour passer un excellent week-end. Alors, le petit bémol du succès, c'est aussi une très grande queue qui devrait être sûrement un petit peu améliorée en vue du mondial, parce que sinon ça risque de coincer un petit peu. Et au fur et à mesure des allées, on pouvait aussi passer un bon moment avec les copains à découvrir des commerçants qui se prêtaient au jeu de la démonstration pour nous libérer encore plus de créativité. Également présent, une superbe vitrine dédiée à Catherine Cesario, notre regrettée amie qui nous a quittés cette année. Quand je vous disais qu'il fallait absolument venir ici, c'est pas sans raison.
Gosukiro Tenai and Fudrash. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau tuto qui s'appelle comment décaper et comment refaire une figurine. Alors évidemment, comme il n'y en a que pas beaucoup qui ont eu ce kit là ce week-end, qui n'en avait que 9 malheureusement, eh bien je vais arranger la tête de la figurine de Delphine. Alors je vous propose la spatule, éventuellement la lime. Delphine, regarde, pendant que tu es parti faire un tour sur le stand, profite, c'est la dernière fois que tu vois ta figurine. Allez, j'attaque. Bon, je commence par quoi alors? Eric, bien remis du jeu de bouchon? Ah ouais? Tout à fait. Alors il faut encore, je trouve, le moyen de... le truc pour le faire, mais je le trouverai avec mon coéquipier semi-suisse, semi-français, et on va travailler dessus cet hiver, et au printemps on présentera la technique du bouchon Béaïco suisse, et on aura un franc succès tout simplement.